Et yo les potes, on se retrouve sur Biomutant, on va commencer l'épisode 3, c'est parti, let's go! Du coup, localiser le coin à coin coin, c'est vrai qu'on devait faire ça, je ne sais plus trop où on voit les quêtes, voilà. Journal. Annexe, on était en train de. On faisait les panneaux d'affichage, ça. Ok. Bon, on va continuer tranquillement. Glop. Avant toute chose, on va peut-être. Merde, excusez-moi. Monter les niveaux, parce que bon. On Bon, va vous prendre êtes de la sacrément force. costaud. On a pas mal de points d'amélioration. Mais je crois qu'on avait dit qu'on économisait tranquillement, ouais, c'est ça. Ouh, la vitesse de développement. Ouh. Ah bah. Si on peut avoir des petites montures rapides. Ah oui, c'est vrai qu'on a des montures, les gars, maintenant. C'est quoi déjà? Allez, fais-moi pop mon Globski là. Let's go. Let's go. Pop, pop, pop. Qu'est-ce qu'il nous voulait, lui? Gloops vous rappelle de ne pas oublier les coins-coins. Ils ne vont pas. Ah oui, bah c'est bon. On peut faire pipi sur son bateau, j'avais pas vu. On fait un petit peu pipi sur notre bateau Voyons aussi. voir. Nice. On commence à bien avoir découvert. Hein. Il reste tellement de choses à faire. Voyons Ah non, voir. merde. Je voulais monter sur le bateau, fait chier. Hop là, hop, hop, hop. Allez, on va au coin à quoi coin. Oh, j'ai envie de passer par là, ça a l'air stylé. Tac, tac, tac. Wouhou. Ah, la haute saline, quelle liberté! Ah oui, c'est vrai qu'on peut crapiner des trucs pour les. Ah, stylé! Oh, c'est incroyable. Le creux de coin, c'est loin de tout. Arme de. Mais en fait, il y a tellement de choses dans chaque. Voilà, aim. Est-ce qu'il y a une. Un avantage de les tuer ou pas? Aïe. Ça donne rien de spécial. C'est sombre. Ah, il y a une échelle. Il y a une échelle et il doit y avoir un petit truc à gauche certainement. Et oui, on connaît les jeux. Épaulière, ok. Oula, le truc où je suis éclaté. Les trois caves à des ports différents pour résoudre le casse-tête. Chaque port dispose d'une valeur positive et une négative. Pour ça, le casse-tête, ouais. Le montant indiqué en bas de l'écran. Pour connecter un câble au port sélectionné, appuyez sur espace. What the fuck? Non, mais là je comprends pas. Genre lui. Genre lui si on le relie là. Voilà. J'ai compris direct. En fait j'ai juste un monstre. En fait en la ligne du début en bas c'était d'où partait l'énergie. Donc c'était pas si compliqué. Let's go. Fermé à clé, aucun doute là-dessus. Ok, donc il y aura un autre passage pour y accéder. Certainement. Rien n'est plus important que cette histoire. Il
là j'ai peut-être fait une connerie en fait. Il va falloir que je reparte par là-bas. J'étais trop en bas là. Oh. La grande classe. Je peux pas casser ça? Ah ben. Moi je veux casser un truc de l'autre côté en fait, fallait le faire. Ça dégage. Oh là là, mais c'est 6-7. Mais attends. Non, parce qu'on connaît les... Oh là 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 là. J'ai plus de... Ah, c'est chaud en vrai. Il est pas dégueu ce mob. En tout cas, je lui mets des sales dégâts, lol. Elle est presque mort. Allez, allez, allez. Ah, c'est bon. J'étais bloqué là. Génération de santé, durée de... Ok. Allez, coin-coin. Allez, coin-coin. Ah, il y a plein de coin-coin. On trouve les coins. Ah oui. Ah oui, monsieur. Bah, je peux pas prendre dans la caisse directement. Ah, je vais pouvoir aspirer les coins-coins. Tripobal projecteur, dégâts, pam pam pam. Donc là, je vais là. Pas mal. J'explore parce que là, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. En fait, c'est écrit à chaque fois ce que t'as et du coup, en fait, j'ai pas trouvé d'armes. J'ai pas trop fouillé pour le moment et donc... Bah donc ça peut être gênant en fait un peu. Petite ouverture de caisse. Mulardo. Dulfino. Caisse de Globski trouvée. Ah, c'est pour améliorer mon Globski. Oh, stylé. Cool, cool. Ok. Donc là, il me reste une arme de corps ultime, compteur à bioblob, gadget de l'ancien monde. Donc déjà, j'ai encore 3 trucs à trouver dans la zone, donc ce serait cool de les trouver en vrai. Ça, c'est des points biomutants. Ah bah là, il y a l'arme de l'ancien. L'arme ultime. Oh, une épée! Oh, let's go. Arroseur grâce. Ah ouais, mais tu fais tellement moins de dégâts. Attends. Ouais, mais lui il est incroyable en fait. Je peux pas. Vous devez aligner les interrupteurs pour les faire correspondre. Ouais, je mets du temps parce que les touches, je trouve ça vraiment pas...
plus que quelques coups. Ne les gâchez pas. J'ai du mal à comprendre dans quel sens tu rotationnes. Enfin, pas du mal, mais c'est un peu bizarre, moi, je crois. Le courant électrique est suffisant pour initialiser les déclencheurs bizarre, et activer le réseau. Bon, en tout cas, on a réussi à trouver pas mal. Ah, mais on a tout trouvé. Ah, let's go, on a tout trouvé dans la zone. C'est une blague. C'était la porte derrière laquelle je voulais aller. Ok, d'accord. Retour voir Glop. Bah, c'est parti. Hein. C'est parti. Hop. La saline est plus large que n'importe quelle route. Hop là. On repart comme par où on est venu. Ah, on revoit un peu mieux là. Ou ça c'est un truc à invoquer. Ah, c'est un truc à casser. Ah, vous voyez cet électrodéchet, c'est toujours pratique. Oh là là. En tout cas, je fais bien viser, c'est cool. Non mais c'est incroyable. Fais un effort, Mathieu. Vous voyez cet électrodéchet, ça vous serait utile. Hop là, ça fait des e-déchets, ça peut être utile du coup. On explore un petit peu. On va aller voir la maison là. Là, il y a encore un truc. Ouais, il est juste là. Non, il est là-bas, Glop. On n'a jamais trop de récup, qu'il soit en plastique ou non. Un petit peu polyme. Pack de soins, je prends tous les jours, les potes. Il y a un bruit là. Oh. On va aller le voir, le petit joystick. Il semblerait qu'en mourant, l'arbre de vie emporte tout avec lui. Bah ça, ouais, on s'en doute, frérot. Son camarade a des ennuis avec les soufflets. Il ne fonctionne pas comme il devrait. C'est quoi les soufflets? Vous pourriez trouver ce soufflant camarade et l'aider. Je sais pas ce que c'est. Il y a ces gros trucs qui font du vent. Ah, des éoliennes, des éoliennes. Vous trouverez probablement son camarade en train de se promener près des soufflets. Des éoliennes, je suppose. Je pense que leur ami au bon souffle peut vous donner plus de détails sur les soufflets. Sans les soufflets, les gens d'ici vont souffrir. Espère que vous pourrez vite les aider. Se dit que son ami ne fait pas que brasser de l'air et pourrait résoudre cette situation avec un peu d'aide. Ok. On a fini ça et on l'a fait après, t'inquiète, des soufflets là. Je sais pas si vous avez vu mon t-shirt, ouais, je sais qu'il est rose, mais c'est un petit t-shirt shopper que j'ai gagné à la PGW à une époque où on pouvait y aller hein, quand il y avait les événements. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un ancien monde. Non, ça date, c'était les premières PGW, il y avait les One Piece Pirate Warrior. Et du coup, bah, t'avais des petits concours toute la journée. Le glue, c'est formidable. C'était plutôt lourd. Petit concours, et si tu faisais un bon stade, t'avais des bons récompenses. J'ai eu pas mal de trucs en vrai. Ouais, Glop, il est dedans. Glop, je dois pouvoir aller le voir par en bas, il me semble. Dans mes souvenirs, on était rentré, on l'avait vu par en bas. On n'avait pas besoin de monter tout en haut là. Qu'est-ce qu'il veut le panneau? On l'a vous déjà. Vous êtes fait plaisir. On l'a déjà vu le panneau. Ah bah super. J'aurais pu me TP. Il est vrai que j'aurais pu me TP si j'ai déjà fait pipi dessus. Je n'ai jamais. Voir. Je n'ai jamais fait pipi dessus donc. Ok. Bah j'aurais pu me TP dessus. C'est vrai que. Je me sers pas trop de cette mécanique dans le jeu pour le moment. On va peut-être le faire, ça ira plus vite. Hein. Oh ouais, je t'ai ramené des coin-coin, frérot, t'es content. Il y a assez de coin-coin pour fournir des munitions infinies au C'est ça. C'était pour faire des tirs. Ah oui, on va pouvoir tirer. Il était là quand le porc-y-pouf a avalé la jambe du fossile. Aïe, aïe. Du coup, ce mange-monde, c'est une affaire personnelle.
En fait, le mange-monde, c'est un salin 2.0, quoi. C'est la grosse bête que j'ai tapée tout à l'heure en plus gros, quoi. Après ça, le fossile s'est servi de sa cervelle plus que de ses jambes et a mis sur pied son plan pour tenir tête au mange-monde. Il a compris qu'il allait falloir des véhicules. Malin. Il a l'air heureux de discuter. Tu me caches quelque chose ? Pardon. Avoue que tout ce travail acharné commence à laisser des traces. Ils sont tous un peu fatigués. Vous congratule d'essayer de faire du monde un endroit meilleur. Vous dit de prendre soin de vous. Merci, Glop. Il a l'air heureux de discuter. Ouais, bah, adieu, frère. Espère vous. Bon, on va pas parler non plus 6 mois. Hein. Vaincre le porc qui pouffe. Oh, bon, on y va direct. Ah, ouais, ouais, non, non, les gars, c'est bon. Non, voilà. Oh là là, on peut vaincre le porc qui pouffe. Merde, j'ai oublié. Ouais. Hop là. Espérons que ce tas de récup flotte. En vrai, on a. Ouais, je sais pas, hein. On va tenter, hein. Let's go les gars, on peut tirer de fou. Non mais on est con parfois. Le porc qui couvre, il est tout là-bas, on peut stepper là. Attendez. Ah ouais frérot, là, c'est trop loin. On va les battre les porcs qui pouffent frérot. Comment on fait pour se TP? Là j'ai pas le droit de le faire quand je suis sur une monture j'ai l'impression. En plus on trouve un petit point d'ici là. Que je vérifie parce que ça veut dire que normalement je peux me TP là si je... Mais non je comprends pas. Ah si bah voilà. Petite téléportation. Bon en vrai on va pouvoir aller voir un mange-monde. Parce qu'il me semble que le porc qui pouffe c'est un des 4 ou 3 mange-monde si je dis pas de bêtises. Ça fait plaisir en vrai. Je pensais pas qu'on pourrait y aller aussi vite. Je sais pas si j'ai un peu rush les quêtes principales. Pourtant j'ai l'impression de mettre un peu de chill tu vois. Salut frérot. Ah, chouette. Que la boutique en a pour tous les goûts et surtout les veaux. Allez. Qu'est-ce qui me. Ah, on achète que des consommables. Ouais. Incroyable. Le truc, c'est que j'ai que 102 pièces là. J'ai pas des trucs qui valent cher. Ouais, ben je vais pas vendre mon truc. Ouais, ça on va le vendre parce qu'on vous s'en servira pas. Un bon prix. Vous vous y retrouvez. C'est quoi ceux qui me tirent dessus? Les arbres penchent vers l'eau. What the fuck? C'était quoi ça? Je me suis fait attaquer par un. Ok. Bon, j'ai perdu la quête principale. Excusez-moi, bon, allez. Suivre la quête, le porc qui pouffe. Oh, vous savez ce qu'on va faire? Même si. On va y aller en barbiquette. Salut toi! Ouloulou! Ta 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 ta! Elle est incroyable celle-là. Elle est incroyablement mignonne. On chillaxe un max sur la plage, les potes là. Aïe aïe aïe, c'est pas magnifique.
On découvre un petit peu avant d'aller vaincre le porc qui pouffe. Oh là là, bah ça c'est exactement le genre d'endroit où il y a les petites barbiquettes là qui montent. Hein. Oh là, là je suis en train de découvrir une dinguerie. Il est... Ah bah... Ah merde. Non, non. Oh ça a l'air incroyable. C'est quoi ça? Oh j'ai inventé les lumi-temples. Oh c'est trop beau. Je sais pas à quoi ça sert mais... Oh là là, la petite vue et tout. Qui régale. Voilà. Module électrique. Du coup, sur mon arme. Oh. Le monde va bientôt disparaître et toute chose avec lui. Dans mes souvenirs, on n'a pas de dégâts de chute, on est d'accord. Hein, on n'a pas de dégâts de chute. Let's go. Okay, nice. Ah ouais, j'ai bien fait d'aller là-haut, les gars. J'ai trouvé une arme là-bas que je voulais acheter au mec. Ah, je suis trop loin. Ah, je fais toujours barre espace. Échappe pour partir du menu. En mode... Bon, allez. On va battre le porc qui bouffe. Est-ce qu'il faudrait pas déminer le champ avant? Parce que... En tout cas, ça crée M1. J'arrive pas à le toucher. Bon allez. Oh là là, on va battre le parguivouf, les gars. Allez. Premier badge du jeu. Tanière du porc qui bouffe. Ah oui, c'est posé. C'est le porc qui bouffe qui grignote l'écorce. Il a pris goût aux choses croustillantes après avoir croqué la jambe du fossile. C'est un triple salin, quoi. Oh là 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 là. Elle a une vie limitée. Ah bah nice. Ah je sais peut-être, il faut que je le fasse sortir de sa tanière pour qu'il se prenne des bombes. Non, je peux... Ah je peux pas sortir, c'est une bêtise. Ah, avec l'eau, il peut peut-être... Ah ouais, ça doit être ça. Avec l'eau, il doit pouvoir se faire tomber des montants, peut-être. Je dois devoir casser les montants. Une connerie comme ça, mais... Oh, il y a des bombes. Il y a certainement un délire de... Il faut casser... Je vois que ça, en vrai, parce que là... Enfin... Moi qu'il faut qu'ils se prennent des bombes aussi peut-être. Ah bien joué ça Mathieu. J'arrive pas à la casser. Non mais c'est indécent. Ah, trop dur à casser la bombe, genre. Bon, c'est sûr qu'il faut lui faire péter les bombes dessus, mais alors comment je vais réussir? Parce que bon, la M-Lock. Accrochez la boomballe et tractez-la sous le monstre. Thank you.
Ok, alors il faut que j'attrape cela. Bon. Mais c'est chaud. Ça va être long, hein. Mais ça a pas marché là. Oh là là. Quel boss de merde. Ça l'a pas touché et moi je vais die, hein. Mais c'est un peu naze. Allez, viens. Enfin, si c'est ça le boss, ça va être très chiant et très long, hein. Je vais surtout die avant. Mais elle prend pas de dégâts, quoi, des bombes. Ouais, ça me semble super dur. De vie, quoi, les gars. Je regagne de la vie un jour ou... Je sais pas. Bah, je sais pas, les gars, mais ça va être complexe, hein. J'ai l'impression que je vais bien galérer à le faire. Ouais, je me reprends une vague, je suis dead. C'est vrai, il vient trop tard, genre. I'm dead, dabba-dee-dabba-da. Oh. Allez, viens là, petit loup. Ben, c'est de la vie qu'il fait régène, donc vous en avez marre? Ah ouais, c'est trop chaud. Mettez les gaz. Oula, 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 les gars.
fait bouillave. Ça va être interminable, hein. Enfin... Il avance pas dessus, genre... Moins que j'ai pas la strat, mais bon... Ouais, c'est trop dur. Allez, avance, frérot. Et même là... Oh. Ça va juste exploser devant toi. Ah ouais, ça dégoûte. Là, honnêtement, à moins... Pas combien il faut lui en faire exploser dessus, mais c'est bizarre qu'on puisse pas sortir alors qu'il y en a plein là-bas. Enfin, bon, là il perd pas de vie en plus, hein. Bon, ben, je sais pas, hein. On va continuer ça, mais bon. Je sais pas combien il faudrait lui en faire exploser le porc qui pouffe. Là, il est fort, le porc qui pouffe. Franchement, galère, hein. Phase de gameplay un peu éclaté. En fait, j'ai l'impression que c'est impossible de... Parce que tu peux pas les grab comme tu veux, les bombes. Interminable. À part jouer kamikaze comme ça, tu vois, on pourrait les exploser là, comme ça, ça irait. Franchement, les gars, je crois que je vais devoir regarder un petit tuto. Hein. Ah ben non, voilà. Ah ok, putain. Ok.
Ok, tu le fais tomber, tu lui mets une... Ok, bon ben... En fait, tu le fais tomber et tu lui mets une bombe dessus. Oh! C'est quoi ça? My bad, je sais pas, ils m'ont dit. C'était pas très clair, ouais. Hein. Envoyez les coin-coin. Fais-tu pas trop mignon? Un gros méchant qui joue avec des coin-coin. Wasted, ok, bon. Commence à être répétitif. Oui, bah ça va, monsieur, c'est que la deuxième fois. C'est trop drôle les coin-coin. Bon par contre si tu pouvais me laisser casser ta dernière pote ça serait cool frérot. Allez. Oh le aim est... La aim est dégueulasse hein, notre jeu que... C'est pas mon problème de aim hein, c'est juste le jeu qui tire n'importe comment. Oh là là ça tire dégueulassement. Je peux faire ça, c'était pas mal là. Allez, accélère! Mais c'est ouf de. Ça va être long en vrai, hein, parce que. Salut, je viens de faire juste un petit coucou. T'inquiète, Luna. J'essaye juste de faire un petit peu de... De biomutant pour bah, vous sortir une petite vidéo de demain. Par contre... un peu galère le boss, hein. A plus le nature, merci d'être passé. Wow. Oh. Qu'est-ce que je fais? Par contre, c'est chiant, frérot, tes creep blocks là. Je fais ça. Voilà, on a juste à slide et chill, je crois. C'est un peu compliqué de lui mettre une bombe, on va pas se mytho.
sais pas où il est. Wow. Nice, on a eu les deux pattes derrière. Et quand je le knock, il a une tache sur sa tête après. Première fois qu'on voit ça, les potes. Sentez ça? Ah. C'est la brise vivifiante du renouveau. Ne laissez pas passer. Nice. Pff, allez là, on a dû le mettre mid-life. On a plus de vie malheureusement. On aurait peut-être dû en acheter. J'aurais clairement dû en acheter. Oh là là, oh bah je suis mort en fait. Je suis clairement mort. Mais what? Ce serait incroyable que je recommence là, mais j'y crois malheureusement pas. Je vais recommencer. Oh si, let's go. Ah nice, le bot pour les noms. Mais par contre je me fais quand même bouillave hein. Mais c'est comment tu... C'est super dur notre truc hein. Ah ouais, du coup je respawn quand même là sans vie. Ça va être compliqué les potes. Aïe 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 aïe. Revoilà en pleine forme. Mais what? J'esquive, je me le prends quand même, j'esquive trop tôt je crois. Ah ouais non mais... Mais non mais... Ça va être trop dur pour moi les gars, je suis désolé hein, mais... Mais je comprends pas là, je fais comment en fait? Ah ouais non mais... Le jet de cailloux c'est incroyable.
commence le run, j'ai plus de vie déjà, c'est quand même triste hein. Mais je suis naze, je suis naze. En fait, tu te prends une pierre, t'es mort hein, donc c'est un l'enchaînement de pierres. J'ai des fourmis qui me tombent dessus. L'enchaînement des kayas, c'est dur à esquiver, no joke, hein, c'est pas une blague hein. Mais je me prends toutes les... Quand j'aurai compris comment esquiver les kayas, je me prends tous les kayas en fait. Mais c'est... Le deuxième kayas est inesquivable, no joke. Ah, le pro... Oh là 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 là, les gars, je suis nul. Allez. Quoi, ça m'a touché alors que j'ai esquivé, non mais... Quoi, j'ai une fourmi qui m'attaque là pendant que je joue. Non. Bah saute frérot, saute, juste saute, je te demande juste de sauter là. Non, tu perds 400 HP sur un truc que t'esquives, ça dégoûte quoi. Non, j'étais bien dans ma run là, mais par contre c'est franchement c'est galère hein. C'est genre no joke, c'est trop dur. Hein. Mais non, mais bon, vas-y, tue-moi. Je bouge même pas, ça sert à rien. Je peux juste pas améliorer mon perso par hasard, accessoire, parce que. Un no joke, ça va être infernal en fait. Je peux rien améliorer de plus là parce que... Bon bah écoute, tue-moi frère et puis on va tenter hein, mais je pense que ça va vite me saouler. Hein. Si je me prends déjà les premiers cailloux, je peux surrender, ça sert à rien, j'arriverai pas à... Non mais vraiment ça me dégoûte ça.
Mais pourquoi il a sauté mon perso? J'ai juste demandé une esquive. Oh là, y a... Dommage que j'ai pas pris de vie, ça aurait été trop facile à spam la vie, ça aurait été naze, hein, mais au moins j'aurais gagné. En tout cas, ça change pas de Star Wars, je suis toujours éclaté. Hein. Mais par contre, c'est quoi? Pourquoi j'ai plus de vitesse d'auto sur ça là? Non, pourquoi j'ai sauté? Non! Oh, ça va être trop dur, je vous le dis. Hein. Je le prends là? Mais je le prends? Ah bah le bon bug. Non mais frérot, moi je peux pas me concentrer si je... Je suis en pleine partie et je me retrouve sous la terre. Non, j'esquive. Mais vraiment, j'esquive. Hein. Je vous promets, j'esquive. Genre, ça me dégoûte. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ils ont fait une mage où, je sais pas, je tape à deux à l'heure avec le blanc là. Ça me dégoûte. La souris qui est pétée ou...
Allez, tape, frérot, genre. Je me suis fait one shot par le caillasse là, j'étais full life, non? Pas full life, mais j'étais bien quand même. Allez. Ça y a un moment par contre que je comprenne comment on esquive, parce que ça me gave en fait de me faire one shot par des caillasses. Je ne peux pas esquiver. Ça se présente mal pour notre histoire. Ah bah là l'histoire, frérot, c'est le premier boss, je galère. Vas-y. Je te promets que j'appuie sur la touche esquive. Quand je me battais contre les autres, ça marchait, mais contre lui. Mais j'ai franchement j'ai esquivé trop tôt ou quoi? Ça me dégoûte qu'il y a le truc cassé et je sais pas. Non non! La première fois que ça marche, je rate. Non mais... Quoi? 1400? Les gars, franchement, ça va me tilt le jeu. Je vous le dis, ça va me tilt si c'est tous les boss comme ça où tu dodges et ça dodge pas. Fin... Non mais je... Enfin, la réactivité éclatée, hein. No joke. Bon, allez, tue-moi, frérot. La run, elle est cassée. Tue-moi, ça sert à rien. Et là, ça me one-shot pas. J'ai 300 HP, ça me one-shot pas. Allez. Désolé, je rage, mais vraiment c'est rageant. C'est clairement rageant de fou parce que il y avait une run où j'étais vraiment bien et ça n'esquive pas en fait. Mais là pareil, je vise le truc, ça. Allez. Allez, c'est ma run, je sais pas. Oh, bah oui. Tue-moi, ça sert à rien, frérot. Si je joue aussi proche parce que non mais c'est trop. Je mets des coups rouges que je mettais pas en étant loin et du coup ça le termine plus vite. Mais par contre vraiment les pierres c'est vraiment buggé, hein. Je vous le dis, hein. Regarde, elles sont auto guidées. Tu dodges, elles viennent quand même sur ta gueule. Ah ouais, non mais c'est trop, frérot. C'est des caillasses à tête chercheuse, genre. Regarde, ah ouais, non mais c'est pour ça en fait. C'est pour ça. C'est de la merde. Attends, mais c'est quoi ce bug là? En fait, si tu dodges pas clairement au dernier moment, t'as loose parce que c'est des caillasses à tête chercheuse. Si t'as pas. Ouais, vas-y. Je no joke, les potes, je vais baisser la difficulté. Ça va me saouler en fait. C'est naze, hein, mais je sais même pas si je peux en fait. Donc. Voilà, allez. Oh non, je vous le dis, ça me dégoûte en fait. Les genres de trucs où t'es comme ça et je me fais quand même bouillave alors que je suis en facile maintenant, ça va me saouler. Le truc c'est que c'est pas drôle le genre de truc où voilà, regarde, il y a la marque pour détruire, c'est exactement la marque pour détruire
les murs et tout avec le gant. Ouais, je... J'ai réussi à perdre en facile, hein, je vous le dis. Je prends tous les caillasses alors que je full dodge. J'espère que les boss... Oh, si. Ouais, vas-y. No joke, les caillasses, c'est incroyable. Bon, là, j'étais un troller. Mais les caillasses, c'est genre indécent. Hein. C'est pas une blague. Hein. C'est broken. Hein. Et t'as des runs où t'as plein de caillasses, t'as des runs où t'as pas de caillasses, si c'est... Là, moi, je prends le même timing de dodge à chaque fois, et parfois ça dodge, parfois ça dodge pas, c'est... Let's go, allez, on dégage, c'est pas drôle. Je suis content, mais... Enfin, je suis pas content, en fait, les gars, parce que c'est pas drôle comment je l'ai battu. J'ai dû baisser la difficulté, et le truc, c'est que les caillasses, indodgeables. Indodgeables, vraiment, j'apprécie pas les phases de trucs comme ça dans les jeux où il y a des mondes ouverts ou quoi. Les boss qui sont... C'est juste de la baston pure et brute, c'est basé sur un petit timing, une framerate. Si tu dodges pas, t'as lose. Je trouve ça éclaté au sol. C'est pas drôle en fait. T'avances pas dans l'histoire, tu bloques sur un monstre qui. Juste parce qu'il y a un vieux bug dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, bref, on a gagné. Ça enlève ce qu'il a mangé autour, j'ai pas trop compris. Il vous remercie d'avoir éliminé le premier mange-monde. C'est un bon début. Vous devriez aller à la rencontre du fossile pour en apprendre davantage sur la machine qu'il a baptisée l'Arche. Vous êtes okay. Quelqu'un de bien. Vous n'aurez donc aucun problème à faire en sorte qu'il partage ses informations avec vous. Il est persuadé que vous savez où se trouve le fossile actuellement. Il a toujours vécu au pied de l'arbre et n'a jamais bougé. Ok, bon. Bah malgré ma face de rage les potes, j'espère que vous avez kiffé. En vrai ouais, comme je vous ai expliqué, j'aime pas le truc où c'est que t'as un framerate. Enfin vraiment c'est au pixel près si tu dodges pas. Et il y a des fois où je dodgeais, je me reprenais le caillasse parce que en fait, je crois avoir compris à la fin, avant le rebond du caillou. De voir tout ce qui peut arriver en une seule journée. Avant le rebond du caillou, bah tu te prends en fait un vieux caillou téléguidé et c'est trop chiant. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On a battu le premier mange-monde. Il me semble qu'il nous en reste 3. On va quand même découvrir un peu le lore parce que ça a l'air vachement cool de s'explorer, enfin d'explorer la carte, de faire les missions annexes et tout. Donc je pense que la prochaine fois où on jouera, ça sera vachement basé sur plus les missions annexes. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé les potes. Gros pouce bleu, abonnez-vous. Petite vidéo qui sort une fois par semaine, sur Biomutant et une fois par semaine sur League of Legends ou du Valorant. Et on va essayer de sortir un best-of soon. J'espère que vous avez kiffé les potes. À la prochaine. Ciao. Bisous.